La deuxième journée du championnat du monde de cross 500 cm3 se déroulait ce week-end en France, à Saint-Jean-d'Angély. Pour cette épreuve, on devait surveiller tout particulièrement Éric Goebbels, numéro 1, le seul pilote de l'histoire à avoir remporté les trois catégories 125, 250 et 500. Alors bien sûr, on peut se demander si Goebbels a toujours envie de gagner. La motivation de gagner, enfin être toujours le vœu de gagner, ça c'est une chose que tu perds jamais. Même quelle victoire tu as jamais eue, moi je me trouve toujours motivé. Le deuxième pilote susceptible de s'imposer est le coéquipier de Goebbels qui court lui aussi sur une Honda d'usine, Dave Thorpe, numéro 3. Et puis bien sûr, il y avait Jacques Vimont, numéro 5, notre espoir français, qui a monté cette année un team privé et roule sur une 500 Honda standard, améliorée par ses soins. Maintenant, la moto, c'est un peu la même chose. On a quand même beaucoup travaillé, elle a beaucoup évolué. On a travaillé un peu la suspension, le moteur. Si bien qu'aujourd'hui, j'arrive à avoir un bon compromis. La révélation de ce début de saison venait d'un Australien, Jeff Lisk, numéro 18, qui avait créé la surprise lors du premier Grand Prix en Hollande en remportant la seconde manche. Tout était donc prêt pour que cette course se déroule dans les meilleures conditions. Seulement voilà, ce qu'on ne pouvait pas prévoir, c'était le temps. Il avait beaucoup plu le matin de la course, des trombes d'eau s'étaient abattues sur le circuit rendant la piste et ses alentours quasiment impraticables. Mais qu'importe, le Grand Prix devait commencer, alors messieurs les pilotes, en piste.